La séance d'activité que nous allons vous présenter est issue du monde industriel, avec un lien fort avec le développement durable, et vise à analyser de manière expérimentale d'une part, et puis par simulation avec un logiciel, donc vise l'étude de la réponse vibratoire d'une pale d'éolienne. L'éolienne est soumise à un phénomène vibratoire qui provient du vent. Le vent a une certaine vitesse qui est constante et stable, mais également une partie oscillante. Si la fréquence de la structure coïncide avec la fréquence de la source excitatrice, finalement la structure va rentrer en résonance, et cela pouvant conduire à sa rupture. Donc l'essentiel de l'activité vise à arriver à cette conclusion, et puis à comprendre les paramètres qui vont pouvoir venir influencer la réponse de la structure. Donc les élèves mettent en œuvre, hein, différents profils qui ont des matériaux différents, des géométries différentes, et puis finissent par étudier une maquette de pale d'éolienne. Donc de manière expérimentale d'une part, et puis de manière simulée, ce qui permet au final de comparer les résultats expérimentaux et issus de simulation et d'avoir également un regard critique sur des résultats qui pourraient être fournis par un logiciel qu'on pourrait avoir tendance à prendre pour vrai, mais qui ont besoin d'être mis en vis-à-vis d'une expérimentation réelle pour avoir un peu plus de recul. Thank you.